Arrivé à Lubumbashi depuis samedi dernier d'un régiment organique des commandos de la garde républicaine. Venu de Kinshasa après sa formation, l'unité commando est venue en appui aux unités de la ville de Lubumbashi pour toute opération éventuelle. Sur instruction personnelle du commandant suprême et chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant garde républicaine, a accompagné ce régiment organique des 1800 militaires ici à Lubumbashi. Dans le programme des exercices de cette unité, une marche d'endurance a été organisée ce dimanche dans la matinée. De l'aéroport de la Luano jusqu'à la résidence du chef de l'État sur le boulevard Kamanyola. La longue colonne des militaires a emprunté le boulevard Msiri, l'avenue de la Révolution, l'avenue Biayi, Kasavubu, Kimbangu, Kabalo, Deschutes, jusqu'à la résidence présidentielle sur le boulevard Kamanyola. Selon le commandant garde républicaine, le général-major Chiwewe Songesa Christian, l'unité commando est à Lubumbashi par la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les soucis de restaurer la paix dans la ville et ses environs. C'est pourquoi le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné son aval pour que partout où les jeunes drogués vont s'aventurer de mener une éventuelle attaque, cette unité commando de la garde républicaine va descendre pour remettre la paix, quel que soit l'endroit. À cet effet, la garde républicaine demande à la population louchoise de collaborer en dénonçant tout incivique d'où qu'il se cache.